Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Navigateur sur Open Sales 4. Une série dans laquelle, on est en guerre contre Malakka et Majapahit. Fondamentalement surtout Majapahit, Malakka étant plus ou moins sorti là maintenant. Et c'est une guerre qui est un... Enfin, l'objectif c'était de prendre Malakka. Le problème c'est qu'on a l'idée de faire venir cette guerre comme ça. C'était de nous assurer que Ming venait pas au secours de Malakka. Et donc on n'a pas pu rendre co-belligérant Malakka. Et le problème, c'est que du coup, ça coûte beaucoup trop cher en expansion agressive. Et ça nous créerait une coalition franchement ingérable. Donc on essaye de gagner du temps, d'améliorer des relations assez fortement avec Siak et Passai pour les virer de la coalition. Et du coup, ça veut aussi dire qu'il y a peu de chances qu'on puisse prendre quelque chose de Majapahit. Même si... Majapahit est hindou, donc on va générer moins de colère chez les voisins directs qui sont musulmans que quand on aura bouffé Malakka. On a récupéré vraiment plein de transports, ce qui est intéressant. Bah voilà pour le moment. Afflux de colons, ouais. Parfait. Pas assez de troupes pour nous poser problème, Majapahit. Ok, ça c'est l'objectif de guerre, du coup, j'en déduis. Laisser les bateaux se reposer pour le moment. Non. Toujours les deux. Le troisième, ce serait Palembang. On peut aussi essayer d'améliorer la relation un peu avec Palembang en même temps. Très bien. Avançons. Un mois, et puis je pense qu'on est bon pour nos bateaux ici. Oh, wait. Non. Ok. Perdre 10 d'influence sur le pape, on gagne 136 du cas. Ou alors, on gagne 5 de prestige. Ça peut être intéressant. Parce que l'argent, ça devrait le faire. Ici, on va gentiment pouvoir aller chercher notre stab, ce qui va être super pratique. Et grâce à ça, on va certainement pouvoir demander quelque chose d'intéressant. Genre un soutien administratif. Est-ce vraiment intéressant, c'est la question? Pas tellement. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les points admin? Développer, purement et simplement. Développer avec nos points admin et nos points diplo actuellement. Je pense que ça vaut toujours la peine. Développer, je disais. Développer la capitale, simplement. Et puis tu vas me donner effectivement le soutien admin, parce que ça sert pas à grand chose de le garder, honnêtement. Et on va continuer à développer un peu Lisbonne. Voilà, très bien. C'est toujours bon à prendre. Voilà qui est fait. Ah, d'ailleurs, j'y pense. Il faut qu'on enlève ça. Et ça. Parfait. Ah. Ok. Très bien. On va continuer donc du coup dans la région. Je pense que là c'est pas mal, ouais. Non, toujours pas.
Mission Nouveau Monde est tombée. On va la relancer. Ils ont quoi comme flotte? Quand même, hein. Quand même, faut faire un peu gaffe. Le problème, c'est que j'aimerais bien que les mecs puissent pas aller nous gonfler ici, hein, maintenant qu'on les a ratés 36 fois là-bas au fond. Ils reviennent là. Ok, c'est intéressant. Bon, c'est pas grave, on leur prend leur capitale, puis après on ira s'occuper de ça. Même s'ils vont reprendre l'objectif de guerre. Waouh! Ah ouais! Ah, j'avais pas vu ça alors. Waouh! Ok, genre la guerre était tranquille, on a quand même perdu toutes nos réserves militaires. Ok. Puis les nobles nous détestent, ouais, évidemment. Ouais. Tout le monde nul. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, by the way? Parce que peut-être qu'on peut faire quelque chose maintenant. Absolument pas. C'est vraiment, vraiment très très bien. Mm-hmm. Je peux leur donner une province, mais ça leur montrait... Juste pour rire. Je leur redonne la province qui leur a enlevé 30, là. Je pense que ça va leur donner quand même quelque chose d'intéressant, mais... C'était quoi? C'était celle-là, hein? Non, ça doit être celle-là. Ouais, ça les fait monter à 40. Ouais. Ça m'embête vraiment de leur donner ça, cela dit. Mais bon, on dehors, c'est les seules provinces avec lesquelles on peut faire quelque chose. Hein. C'est les seules provinces qu'on peut donner à qui que ce soit. Donc, faudrait le faire si c'était vraiment nécessaire. Je pense pas, je pense qu'on peut se permettre de garder ça comme ça pendant un petit moment. Très bien, colonie autosuffisante partout, ok, c'est cool, nickel. Bon, bah, on va continuer avec celle-là, je propose. C'est peut-être un peu... De contrôler, ouais. C'est peut-être un peu moins dangereux que par là, où il y a eux qui sont juste à côté, genre. C'est un peu un taunt. Mais on est en fait en train de perdre encore des troupes maintenant. Ouais, non, mais c'est la folie en fait. Voilà, tu me laisses juste ça pour le moment, et vous, vous allez là. L'objectif de guerre, c'est Calapa. On va prendre Calapa. Parce que je vais pas me battre contre eux. Hein. On a... Non, mais c'est stupide. Stop, quoi. C'est la folie. Bon, on est le 1er janvier. On va attendre encore quelques temps. Et puis essayer vraiment de sortir ces gens-là de la chorale. Et si on peut pas... Je sais pas ce qu'on va faire, honnêtement. C'est vraiment quelque chose qu'on peut faire. À part tanker la coalition. Ils ont récupéré leur capitale, bien sûr. Comment c'est possible? Bon, ils ont récupéré leur capitale, quoi. Je peux pas me permettre de refaire un siège, hein, il faut que je sorte de cette guerre. Alors, finissons le mois de mars. À Calapa. What? Ah, on n'a aucune maintenance coloniale. Ok, d'accord. Mais même, cela dit, même. Hein. Mais on a effectivement zéro de maintenance coloniale. D'accord. Parce qu'ils sont tous en train d'arriver, en fait. Ça leur prend des plombes. Sûr, ouais, je leur fous encore 108 ans de jour. Ok. Pour le moment, ce qui pourrait être intéressant... Allez, même 4. C'est de me faire 4 mercenaires. Ou quelques mercenaires. Pas obligé qu'ils soient 4, mais en tout cas 2. Comment on se... Enfin, si, fais mon 4, comme ça on récupère nos troupes. Et puis voilà. Toi, tu peux aller de ce côté-là. On a amélioré au max jusqu'à pas ça. Et bien c'est très bien, on revient, ça nous prend 69 jours. Et puis le temps de 69 jours, on aura encore amélioré avec d'autres. Voilà. Très bien. Exactement ce qu'on voulait voir. Du coup, je peux aussi demander du pognon, by the way. Ça, c'est pas un problème. Hein. Et des war rep. Parce que je compte pas les attaquer encore après.
Let's go. Ok. Voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. On a fait tous nos mercenaires, là. Non, ils nous ont manqué. Bon, c'est pas grave, il rejoindra après. Financièrement, tout roule. Malgré les mercenaires. Ok. qu'est-ce qu'on veut prendre ? Des mecs. Pour le moment, on va juste rester là, pour le moment, faire un blocus sur leur capitale. Éviter de faire des batailles pour faire des batailles, ça vaut pas la peine. On a 16 jours avant de pouvoir demander encore quelque chose de plus. Alors, hop, ça, affût de colons. On accepte. Et du coup, mettons que je veux prendre ça. Ah, je peux carrément pas. Je peux déjà pas maintenant, en fait. À 40% de score de guerre, je peux pas. Pardon ? Ah, il faut occuper une forteresse, voilà pourquoi, d'accord, d'accord. Ce qui est embêtant. Mais bon, on a des... gaillards. On peut... Il n'y a pas... Mais oui, il y a. Il y a carrément. Ouais, il y a carrément Sunda. Sunda. Mais en fait, c'est très très bien. Tu me prends donc, tu me prends... Juste ça. Juste Kalapa. Et après, on relâche Sunda. Ça, ça sera très très intéressant pour nous, je pense. Parce que ça va nous permettre de faire tout ça gratuitement. Ok, je veux pas aller me battre contre eux, mais il faut que j'aille prendre une truc. Donc je vais aller prendre leur capitale. Et une fois que j'aurai pris leur capitale, s'il faut que j'aille réoccuper vaguement Kalapa, j'irai réoccuper Kalapa, c'est pas un souci. Alors pour le moment tu vas ici, mettons même là. Alors, ça comme ça. Ici, tu me mets celui-là et... Non. Ça. Là. Ça. Ça. Comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont pris si vite. Ils ont repris si vite leur capital avant. Mais ils ont repris très très vite leur capital avant. Ok. Je peux malheureusement pas me permettre de laisser que mes mercenaires ici, parce que sinon on va se faire attaquer. Let's go, let's go, let's go. Ah, il y a une pénurie, quoi. Deux de mercantilisme. Allez. Oh! Non! Oh! Aïe aïe aïe, j'avais complètement oublié qu'il y avait ça encore. Bon, ça va prendre 3 siècles. Vite, vite, vite. Ah, le siège est terminé. Ok, bon, c'est trop tard. Allez. Voilà. Puis là, maintenant, du coup, je vais pouvoir faire ça. Voilà. Il n'y a pas trop de gars. Non, ça change rien. On prend des war rep. On prend tout au pognon. Parfait. Super. Ici. Tac, tac. Tu me ressors. Sunda. Nickel. Sunda. Bon, pour le moment, comme ça. Sunda avec... Hop. Ouais, c'est bien. C'est déjà ça. C'est toutes des provinces ici qui sont inintéressantes, en fait. C'est vrai, j'avais oublié. Enfin, c'est pas complètement inintéressant, mais c'est vrai que c'est pas idéal. Ici, il nous faudrait être plus balèze. Serait intéressant d'avoir un mec qui peut transférer de la puissance commerciale ici. Qu'est-ce qu'on fait avec nos marchands pour le moment ? Non, en fait, c'est plus simple de regarder ici. On en a un en Côte d'Ivoire, nécessaire. Un en Coromandel. Ok. Un aux Caraïbes, nécessaire. Un à Safi et un à Tunis, nécessaire et nécessaire. Coromandel. Je pense que c'est plus intéressant de l'avoir ici maintenant, non ? Ouais, je pense clairement. Et ce qu'on va faire, c'est que vous,
Enfin, vu que je peux pas vous mettre à Séville, vous protéger le commerce à... Comment ça s'appelle? Malacca. Bah, wait. Enfin, ouais, pour le moment, allez, allez comme ça. Et faites ça. J'espère que j'ai pas fait une grosse. Non, non, j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait. Ok. Et vous, vous protégez le commerce pour le moment à Malacca. Ok. Vous, je pourrais aussi, mais ça coûterait trop cher. Expansion coloniale. Sampit. Elles sont mes colonies. Là. Oui. 30 ducats. Absolument acceptable. Alors, on peut prendre une tech 6 ans en avance. Ça demande de combien notre innovation de 2? Bon, 6 ans en avance, c'est quand même un petit peu grave, je trouve, un petit peu exagéré peut-être, non? Je pourrais continuer. Tac, tu me fais ça, et puis tu me fais ça. Comme ça. Une capitale de ouf, quoi. C'est bien, une capitale de ouf. J'ai pas regardé ces trucs-là, by the way. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fondait un empire colonial, on va pas y arriver. Du coup, unification culturelle, on va pas y arriver. Ça devrait arriver quand même. Les épices, à terme, ça doit être pas mal. Qu'est-ce qu'on doit faire dans nos. Pardon, c'est pas ça. Nos missions. Malacca portugaise, puis domination commerciale. Ça, on devrait pas trop tarder à pouvoir y arriver, hein. Et puis après, il faudra aller se diriger vers ça, ou alors se diriger vers l'Inde, on verra. Disposer d'au moins 15% de la puissance commerciale à la baie de Guangzhou et avoir une opinion correcte envers Ming, ça suffirait en fait. Macao, c'est laquelle Macao? Est-ce qu'on peut leur acheter une province? Non. Pas pour le moment en tout cas. Est-ce que c'est une région de province? Ouais, on pourrait essayer de leur acheter Macao. Je sais pas ce que ça coûterait, mais on pourrait essayer de leur acheter purement et simplement Macao. Il n'y a pas une mission qui nous donne un événement, non, sinon on l'aurait déjà eu. On revendique Macao actuellement. Donc on pourrait attaquer Ming. Yeah. Pour aller chercher Macao, quoi. Ouh, puis ils sont alliés avec mon coin. Non, je peux pas. Pardon? Portugal revendique Macao. Bizarre. C'est très bizarre. Financièrement, on en est où? Ça va tranquille, tranquille, hein. Avec 6, malgré les 6 de maintenance coloniale. Je propose un truc. On refait quelques. Bah, pour le moment, on a combien de transports? On a 17 transports. Et on a 17 troupes. Bon, bah voilà. Pour le moment, on va rester avec 17 troupes dans la région. On en fera plus si c'est nécessaire, honnêtement. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Ce qu'on peut faire, aller chercher un peu de. Pas de limite terrestre, mais de réserve militaire, je propose. C'est pas exceptionnel, hein. Soyons parfaitement honnêtes. 469, ouais. Ouais, je sais pas. Bon, allons-y. Mettons-en deux, mais c'est pas terrible. Notons-le. Ensuite, nos colonies sont ces trois-là. Ok, donc il faut. Donc c'est ici, ici et là, on est d'accord. Très bien. Toi, tu vas aller là et on va mettre les bateaux ici, comme ça on est proche des trois. Ici, on va également mettre tout ça là. Voilà. Parfait. Nickel.
Et je pense que la domination, peut-être pas, mais les 15%, on va les avoir à Malacca avec ça. D'ailleurs, en termes de commerce, ça donne quoi? J'ai pas vu hein, la différence entre ça et Coromandel. Mettre nos troupes, nos gars à Malacca, on est d'accord, t'envoies en Cap de Bonne-Espérance. Cap de Bonne-Espérance, il serait donc effectivement assez intéressant d'aller chercher encore quelques provinces dans cette région coloniale-là. Ce serait pas mal pour nous assurer que tout fonctionne, type ça, hein, type celle-là, 6, là. Celle sur la côte, surtout, ce serait idéal, c'est ces deux-là. Ça pourrait être un autre colonisateur par la suite, pourrait être intéressant. Et ce qu'on peut faire, typiquement, parce que c'est aussi des provinces dans lesquelles... Ouais, non. On pourrait virer hein, les indigènes ici, mais il nous faudrait faire quelques troupes ici. On fera, le moment venu, on fera un ou deux mercenaires, virera les troupes, et puis on virera les mercenaires par la suite. Vous, il n'y a aucune raison que vous restiez là, on a fait tout ça. Ouais, mais c'est complètement con même que vous restiez là, vous avez le général, quoi, l'amiral, c'est stupide, c'est hyper stupide. Concile de Görz, j'ai pas regardé ce que c'était. Mais on peut prendre une décision, embrasser la contre-réforme, l'opinion des états du pape augmente, l'opinion de l'Autriche augmente. On gagne deux missionnaires, coût des technologies est augmenté. Coût des doctrines est augmenté. Ah, l'influence sur le pape est augmentée. Bon, pour le moment, j'ai pas envie. Oui. Merci. Mais à terme, why not? Faudra y réfléchir. Hop. Ok. Ah, puis du coup, vous avez pas fait ça. Ah, c'est malin. C'est malin, ça va vous prendre 3 siècles maintenant. Ok. Très bien, très bien, très bien. Ok, alors. On va avoir... Ce serait bien qu'on puisse attaquer ça. On va faire un réseau d'espions ici. Mais il faut clairement faire un petit peu attention aussi. On peut faire un réseau d'espions en Brunei aussi, hein, ça peut être intéressant, je pense, parce que je rappelle, Malacca, intéressant pour nous. Oh, Malacca, enfin... Bornéo, intéressant pour nous. Donc faisons aussi un réseau d'espions ici. On a plein de pognon et on n'a pas de conseiller ici. Où tu peux mettre un réputation diplôme. Voilà. C'est déjà ça. Et on va quand même garder tout ce pognon qui est bienvenu. Parce que je pense qu'effectivement des mercenaires seraient pas de trop pour la suite. Ok, donc on est bien lancé. Il nous faut voir ce qu'on peut faire, mais d'après ce que j'ai compris vraiment là, hein, corrigez-moi en commentaire si je me trompe, mais pour finir ça, il nous faut 15% de la puissance commerciale dans la baie de Guangzhou. Ça, c'est nécessaire. Ensuite, il faut, dans le cadre de Macao, qu'au moins l'une des options doit être validée, que ça appartienne au Portugal, ou alors que ce ne soit pas une dépendance, mais que Ming ait une opinion de nous qui est positive. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est tout à fait essayer de coloniser ça, nous poser du coup dans la baie de Guangzhou, hein, c'est ça, hein, on est d'accord, c'est canton quoi. Ils nous disent Guangzhou, mais Guangzhou c'est canton, a priori, c'est une translittération. Ouais, Guangzhou. Du coup, on se pose ici, on a déjà une partie, on utilise nos transports, nos trucs commerciaux, nos vaisseaux commerciaux pour protéger tout ça. Ça augmente artificiellement pendant un petit temps ce qu'on a à Canton, Guangzhou. Et il suffit d'améliorer les relations avec Ming et on a notre mission. Si le Portugal est en train de bonne relation avec le possédant Macao, l'événement, l'achat de Macao va survenir. Très bien. Parfait. Ben voilà, c'est idéal. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse. Et puis après, on ira voir du côté du Japon pour, pourquoi pas, bouffer les Japonais. C'est toujours fun de bouffer des Japonais. Mais bon, parce que du coup, dès le moment où on a ça, on peut aller sur... Ah ouais, mais... Oui, évidemment. Oui, c'est un problème. Peut-être les vassaliser. Bon, on verra, hein. Si on est là, peut-être. C'est possible. Auquel cas, après, on pourrait avoir des revendications sur le Japon direct. Ou alors... Parce que j'ai pas besoin de faire ça, en fait. Si. Je peux pas. Avec expansionniste, on n'a pas... Hein. Oui, dans les chartes commerciales, mais le Japon n'est pas une charte commerciale. C'est ce que t'es en train de me dire, le jeu. Ben oui. Effectivement, le Japon n'est pas une... Ouais, donc je pense que c'est une bonne idée. Qu'est-ce que vous faites, vous? Ok, pas d'exploration. Donc c'est une bonne idée, on va prendre Taïwan dès qu'on le peut. Une fois qu'on a fini ça, on va lancer la colonisation de Taïwan, on va la faire vite. Samurashi avec Ming, et puis après on continuera du côté pour... aller faire ça, d'accord, on peut le faire direct. Après on continuera du côté de Malacca, ici, hein, d'essayer d'aller choper le plus de provinces possible pour avoir la majorité du commerce. Pour avoir la domination commerciale.
Et puis après, le commerce avec Sipongo, ben, on discutera, mais ça peut être, on peut faire la même chose, hein. On peut agir de la même façon, dire en améliorant les relations avec les mecs. Et puis on a l'événement Nagasaki portugaise, ça peut être intéressant d'essayer d'aller chercher ces événements. Puis une fois qu'on a fini ça, si c'est rapide, on peut partir sur Hormuz, Oman, puis tous ces trucs-là, hein, peu importe. Mais bon, on verra tout ça au prochain épisode, je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine, bye bye.